Allez, allô. Allô. Poste attention, monsieur là. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Votre attention, monsieur dame. Merci de votre attention. Allô. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Donc, la préfecture de la Guinée. Bonjour à les invités. Monsieur, les invités de la presse écrite, de la télévision et de la radio. Je vais vous présenter le programme de notre convention qui suit. Discours de bienvenue de monsieur. D'abord, 1. Discours de bienvenue de monsieur Sekouna Sila Tostao. 2. Ouverture des travaux. 3. Discours. Avec tout le monde est présent, donc on ne va pas revenir sur ça. Donc nous allons laisser monsieur Sekouna, le secrétaire général, tenir son discours de bienvenue. Aussi de la RCC. Madame Lula Bamba, présidente ex-présidente de Kaloum RCC. Monsieur Monique Touré, chargé et moi-même, votre serviteur, Sekou Kader Diané, l'ex-secrétaire général de la jeunesse de la RCC. Et dans cette délégation également, je vous présente une coordination, non pas les moindres, la COBAC, la grande COBAC, est représentée ici par le doyen. Et M. Sossé, s'il vous plaît, laissez-vous lever vous. Quand vous entendez Malik Santon, avec la COBAC, c'est ce monsieur-là qui représente la COBAC. Nous vous présentons aussi une membre. Fondatrice, Tanti Rasta, Madame Sila, vous me permettez, ma fondatrice aussi de la RCC et tous ceux que je n'ai pas pu présenter, et surtout le chef du protocole de Malik Sankon, M. Sila. Voilà un peu présenté. Je ne peux pas présenter toutes les délégations, parce que tout Conakry est représenté par les 5 communes, les 24 communes les 24 communes de villes. De l'intérieur aussi sont présentes. Donc je vous remercie. Peut-être cela l'exception. Alors, M. Sekouna peut tenir son discours. La position là, vous assez. Bonjour, monsieur. D'abord, une minute de silence pour les morts et les martyrs de la démocratie. Du mercredi 6 avril 2022, je voudrais tout d'abord, à ma qualité de délégué de cette convention, vous souhaiter une cordiale bienvenue. Et formuler mes voeux de succès à votre assemblée. La présente rencontre des militants sympathisants de la cause commune s'inscrit dans le cadre de l'examen de la situation qui prévaut au sein de la coalition RPG Arc-en-Ciel dont nous sommes membres fondateurs depuis en 2011. Depuis la signature de cette convention, nous avons sans faille et avec beaucoup d'honnêteté, d'allégations
soutenu le candidat Alpha Condé à l'occasion de toutes les consultations électorales dans le respect de nos engagements avec nos associés. Les thèmes de la coalition étaient assez clairs. Les partis qui se trouvaient dans cette convention mettant leurs ressources ensemble pour conquérir le pouvoir ensemble et gérer ensemble. Malheureusement, les différents engagements n'ont pas été respectés. Que les manquements d'imposition, de mépris de votre dignité. Il ne serait pas superflu de rappeler nos contributions d'abord aux élections présidentielles 2010, puis 2015, puis en 2020, en passant par les législatives. Les communales en cours, desquelles les militants et sympathisants ont été des acteurs de premier rang en 2015. Précisément, le collectif pour la réélection du président, réélection du président Alpha Condé a été d'un apport incontestable. Nous avons donc tenu notre parole, donc conformément aux valeurs acceptable et nous avons honoré nos engagements écrits conformément aux textes qui nous régissaient la coalition. C'est donc dire que notre parti, le contrat a été valablement rempli. Cependant, au terme de tous les efforts consentis, de toutes les énergies fournies partout en Guinée et à l'extérieur, hélas, le retour d'ascenseur n'a pas été au rendez-vous. Nous avons conquis le pouvoir, mais les cadres du parti de la cause commune ont été ignorés dans l'exercice du tout pouvoir sans aucun poste électif, administratif, autre que celui du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons, malgré la frustration, tenu à sauver notre coalition, le représentantiel, contre l'appétit de certaines personnes animées de l'unique volonté de s'en servir, au détriment de nos idéaux fondateurs. Comme enseignant, ce vieil adage sous-sou, on peut être plus beau que le propriétaire d'un objet, mais on ne saurait être plus chanceux que lui. La cause commune n'est pas un invité à la coalition du RPG arc-en-ciel. Elle en est membre fondateur à part entière. Aujourd'hui, la désignation unilatérale du comité exécutif provisoire de la tête du RPG arc-en-ciel, après multiples tentatives de le faire revenir à la raison, et l'organisation d'une convention précipitée pouvant suffisamment s'en plaire et à la profondeur de la trahison. Nous avons adressé un courrier au ministère de l'administration du territoire et à la décentralisation, tutelle des organisations politiques, pour vigoureusement condamner cette méthode cette méthode cavalière qui foule au pied des textes réglementaires et statutaires du parti, grand parti dans la base militante. Également, nous avons tenu à convoquer nos bases militantes de Conakry
et celles de l'intérieur du pays, du parti, partout dans le monde, à la convention qui doit enfin décider ici et maintenant de disposer de nous-mêmes. En effet, à l'examen des consultations opérées les jours passés, dans nos différentes circonscriptions, il s'avère que vous êtes chacun à ce qui le concerne et à l'unanimité prononcé sur le retrait définitif de la SCC à la poisson du RPG à Cancien. Dès lors, il s'agit désormais de procéder à l'examen et à l'amendement des statuts et règlements intérieurs d'un nouveau parti politique que nous avons voulu appeler la Guinée Unie. GU. La Guinée Unie. GU. La Guinée Unie. GU. Au nom duquel nous allons librement exercer nos droits en tant que citoyens et militants dans le strict respect des lois de la République. C'est le lieu d'exprimer nos voeux ardents d'une transition reçue et apaisée, passée à un climat apaisé et des démarches inclusives. À cet égard, notre assemblement politique se tient à la disposition de toutes les autorités pour apporter notre contribution aux initiatives citoyennes et républicaines qui nous seront prises par Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Commission. En vous souhaitant un bon déroulement des travaux et une réussite parfaite de notre convention, je vous remercie davantage. Massima a répondu à l'appel du bureau exécutif de l'appel de notre grand leader Malick Sampson. Vive la République, vive la démocratie, vive la vie. Merci, le micro est ici. Vous allez avoir une copie des différents ici. Le micro. La copie. Non, vous allez avoir, oui. Donne-le. Il va prendre, il va. Maria va te subir après. Le micro. On peut se dispenser vraiment de la lecture, non? Comme c'est le mois de Ramadan, on est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Ok, on saute cette partie parce que depuis ce matin, vous êtes dans la salle pour prononcer cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce statut-là? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce statut-là, je n'entends rien? Oui. Levez la main. Levez tous la main. Et vous aussi, les membres fondateurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On est d'accord pour le nouveau statut et règlement intérieur? Oui. On est d'accord pour la Guinée unie? Oui. On est d'accord pour la Guinée unie? Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, chacun va relire. Comme vous avez vos mails ici et votre, vous apportez vos observations avant le dépôt final. OK? Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole. C'est l'ouverture des travaux. Ah bon, hein? Non, c'est maintenant, on donne la parole aux conventionnistes. Le représentant. Le représentant des conventionnistes. Je vais nommer M. Moukhtar Bari de Dingiraï. Il peut passer à la table. Je vous en prie. M. Moukhtar Bari de Dingiraï. Et quelques-uns des Érékoré et des Kankan de l'Abbé peuvent aussi s'asseoir à côté de lui. Oui, ceux qui peuvent se déplacer, les Érékoré, Kankan, l'Abbé, venez à côté de lui pour prouver que c'est vous qui avez décidé. Venez, 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 si t'en aimes un peu aussi, vous tout le reste, t'en aimes aussi, tout le monde, si vous voulez bien, Kankan, oui, vous pouvez, Kankan, ok, ok, alors, il y a la caméra, il y a la caméra.
N'hésitez pas, venez. Tu as la voiture, bébé Nana. Maintenant, fais la place, tu vas bien. Merci beaucoup. Résolution finale de la convention du 6 avril 2022 du parti Guinée-Guinée. Ok. Je vous remercie beaucoup. Résolution finale de la convention du 6 avril 2022 du parti Guinée-Guinée. En ce jour du 6 avril 2022 à Conakry, nous, Guinéens, ici des 33 préfectures et les 5 communes de Conakry, après avoir examiné les statuts et règlements intérieurs du parti Guinée-Unie, avons unanimement approuvé et adhéré librement aux idéaux du parti Guinée-Unie, envie d'unir les Guinéens autour de la mère patrie, la Guinée. À cet effet, nous nous engageons autour de ces valeurs cardinales qui sont entre autres une nation, un peuple, un drapeau. En vertu de ces valeurs et de notre volonté d'aller à la conquête du pouvoir exécutif, en vertu de notre volonté de transformer de nos villes et de nos communes en des villes attractives et modernes, en vertu de notre engagement de bâtir de grandes écoles, d'hôpitaux modernes et de qualifier nos ressources humaines, en vertu de notre volonté de développer le secteur agricole, industriel, minier au bénéfice de toutes nos populations, en vertu de notre volonté ardente de doter le pays d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières et d'habitats sociaux pour tous, en vertu de notre volonté d'apporter un bonheur à chaque Guinéen et à chaque foyer. Nous, Guinéens du parti Guinée-Unie, avons accepté librement d'adhérer et d'accepter les statuts et règlements intérieurs de ce parti, surtout de donner plus de pouvoir aux jeunes et aux femmes dans une Guinée unie, paisible et solidaire. Les conventionnistes Kankan, Beïla, Massenta, Gueguedou, Kissidougou, Farana, Mamou, Pita, Labé, Dingiray, Fria, Kindia, Bofa, Dibreka, Forekaria, Lola, Daboula, Dingiray, Kouroussa, Mandiana, Yomou, Gawal, Kundara, Mali, Telemele, Koubia, Lelouma, Fria, Tanene, Pita, Dalaba et à Conakry, les cinq communes, notamment Kaloum, Dixine, Matoto, Mata et Ratoma. Je vous remercie. Je suis le représentant de Dingiray, Moukhtar Bari. Merci. Moukhtar Bari de Dingiray. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Moukhtar Bari. Merci beaucoup pour la discours. Maintenant, nous passons. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Dani, vous avez la parole. Voilà. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Courir. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être venu, merci à la presse. Nous venons de prendre part librement à la première convention de notre parti Guinée-Unie, la GU, à ce jour du 6 avril 2022. Nous avons unanimement et à toute connaissance amendé et adopté les statuts et règlements intérieurs de ce rassemblement politique. Désormais, cette date sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire du processus démocratique de notre pays, car l'on retiendra pour la postérité qu'à cette date et sur ces lieux, des Guinéens et des Guinéennes de divers horizons, épris de liberté et de progrès, se sont retrouvés pour bâtir un parti avec de grandes ambitions à la dimension de multiples attentes de nos compatriotes et des énormes défis qui nous interpellent. C'est pourquoi, en partant de Conakry,
vous devrez avoir à l'esprit que nous portons pour la véritable, nous partons pour la véritable conquête du pouvoir que nous comptons exercer dans l'intérêt des compatriotes et au respect de nos obligations sous-régionales, régionales et internationales. Oui, la conquête du pouvoir à tous les niveaux, les collectivités rurales, les municipales, ainsi qu'à l'échelle nationale, les législatives. Nous devons porter très haut les couleurs et les valeurs de notre parti aux différentes élections communales et législatives sur toute l'étendue du territoire. Ce pari est possible. Est-ce qu'on peut tenir le pari? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le pari? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour les candidats jeunes? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour les candidats femmes? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour l'exécution du pouvoir exécutif? Oui. Alors, repartez dans vos communes et villes, dans vos foyers, mobilisez tous les Guinéens désormais autour de Guinée unie. Ce pari est possible, car à cœur vaillant, dit-on, rien n'est impossible. De Cancan à Zérékoré, en passant par le Grand Sankara, de la ville de Carrefour Mamou à la Dame du Mali, en passant par la ville de Karamoko Alpha de Labé, de la cité de Mengue Kindi, au bord de Rio Rinez à Boké, en passant par la ville de Simba Toumani de Dubreka et de la ville de Nyarabeli dans le Rio Pongo. Nous ne laisserons aucun centimètre carré où nos pieds ne passent et repassent pour toucher tous les compatriotes, pour tendre la main fraternelle à tous les Guinéens et Guinéennes de tous les bords, de toutes les communautés, de toutes les confessions, bref, les Guinéens tout court, tel que nous le comprenons et nous le voulons au sein de notre famille politique. En vous souhaitant bon retour dans vos villes et dans vos foyers respectifs, soyez rassurés de notre présence à vos côtés et de notre soutien total pour la réussite de cette belle mission. Cette mission, cette noble et exaltante que nous devons accomplir pour la mémoire de nos dignes défenseurs et le bonheur des générations futures. Vive la République de Guinée, vive la démocratie, vive la Guinée unie, la GU, vive la Guinée unie et prospère. Je vous remercie. Terminez les travaux. Monsieur le cadet dans le premier vice-président. Monsieur le premier. Oui, votre nom. Sekou Kader Diagne. C'était le discours de Monsieur Sekou Kader Diagne, vice-président de l'Union. Vous aurez récupéré un discours tout à l'heure. On vous conviendra peut-être pour d'autres émissions et autres, mais Madame Sega, Marie et Elma et Sidi qui vont vous prendre des émissions, pour toutes les émissions et contacts, ils vont nous faire des programmes. Je vous remercie. Est-ce qu'on va, on va pas se séparer? On a une dame qui va bénir cette grande rencontre. Adja. Adja. Adja de Kabele. Femme, Adja. Elle est là, elle est au fond là-bas. Adja. Celle qui a fait le doigt ou la foi de même. Aïe, Fabé, elle va clôturer notre cérémonie par le doigt. Monsieur Malik Sako est investi à la tête du parti, que ce soit clair. Mon jeune frère, tu as raison, on aurait vu tant dans les discours. Veuillez compléter cela pour nous. Parce que lui, tu vas compléter ça. Je suis ton doyen dans la presse. Je tenais à nota bene à signifier que M. Malik Sankon est le président du parti. Il a été déjà investi. Et les statuts, déjà les statuts existent, on ne fait qu'à Mali. Ça a été créé depuis. Oui, depuis, ça existe depuis le temps. On vient juste pour la promotion. C'est un attaquement que nous avons. Le RPG s'est terminé pour une fois. Nous prenons notre liberté. L'enfant a grandi. L'enfant a grandi. Nous prenons nos distances. Nous leur souhaitons bonne chance. Ils souhaitent aussi bonne chance. C'est le terrain qui commande le soldat. AP
vu qu'aujourd'hui, MPGP SCCP Fambarano, on a Guinée unie, on a Guinée unie. Guinée unie dans la paix de Mara. Avant la clôture, il y a bonnet parmi les villes où la préfecture de Pénagou ou la sous-préfecture, Malik tient à une sous-préfecture qu'on appelle Bonnet, où il a construit une école au nom des fils et des filles d'Ingira, au nom de quelqu'un. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Mamadou Lamine Ba. Je suis de Dingiraï, précisément du district de Mboné, dans la sous-préfecture de Banora. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique depuis ma naissance, même si j'étais né PDG. Est-ce que vous comprenez? Donc, compte tenu des actions humanitaires, compte tenu du fait que Elhadj Malick Sankong est chéri mon village, à cause de ça, je rentre dans son parti politique. À compter d'aujourd'hui, avec tous ceux qui accepteront d'entendre et d'écouter ma campagne à leur niveau. Donc je vous assure que beaucoup attendaient que Malick Sankong soit libéré de ce grand embargo-là pour que sa vraie valeur ressorte. On le félicite, on l'encourage, on est à sa disposition. Il sait que Mboné, comme lui-même l'a dit à Mboné, où il est allé plusieurs fois, il sait que Mboné, c'est son village. Il y a séjourné, il y a passé la nuit, il a passé des heures. C'est là-bas où il a dit que c'est sa première fois de passer autant d'heures, autant de nuits dans un village en dehors de son prière natal. Donc il a chéri Mboné, donc Mboné le chéri. Tout Dingiraï le chéri parce que c'est lui le parrain de Dingiraï. Donc on est avec lui, je vous remercie pour ne pas être trop long. C'est ma première fois d'adhérer à un parti politique, je laisse la main et les caméras sont là. Aucun ne dira que j'ai adhéré dans un autre parti politique. Moi j'ai vécu presque l'essentiel de mon temps à l'extérieur où j'étais fonctionnaire international au Haut Commissariat de l'OMS à Dakar. Je vous remercie. Votre nom, monsieur. Elhadj Mamadou Lamine Ba. Merci, monsieur Elhadj Mamadou Lamine Ba. Merci beaucoup. Parce qu'il a construit une école digne de nom. Il a construit une école, clôturé l'école, donné un point d'eau, le courage. Donc, nous autres, c'est Malick Sankong qui nous a fait adhérer au RPG. En 2011, quand il est venu, il nous dit, allez-y, renforcez les structures du parti à Dingiraï. Grâce à lui, nous sommes passés de 9 000 à 18 000 voix pendant les élections législatives de 2011, entre 2011 et 2013. Donc c'est Malick Sankong. Si aujourd'hui Malick Sankong est dans un autre parti, il nous dit Guinée unie, il n'y a pas une autre raison pour laquelle nous ne sommes pas avec Guinée unie. Une fois de plus, nous sommes derrière Malick Sankong. Je vous remercie. Mouktar Bari de Dingiraï. J'ai oublié d'ajouter quelque chose. Malick Sankong n'est pas seulement un ami de Mboné, mais il est un citoyen de Mboné. Quand un citoyen fait autant d'investissements dans un petit village, qui a à peine ses 8 000 habitants, c'est presque insignifiant pour faire élire quelqu'un. Donc, plus il est dans ces investissements-là,